Bon bah voilà, on va bouffer là. Franchement, ça pète. Alors, un petit plan nature, petit sandwich à Saint-Gervais. Donc voilà, sympa. Bon bah direction chez Ludovic Roux, donc c'est la première à gauche je crois, ou à droite je sais plus. À gauche. Donc on va aller choper Roux qui est dans le coin. Donc voilà, ambiance shoot de luxe. Bon. Avec la montagne en arrière-plan qui est très très belle. Ah, c'est sympathique hein, ce shoot. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. Là, c'est franchement un des meilleurs shoots qu'on a fait. C'est clair, hein, sympa. Hein. Ouais. Par exemple. Vas-y, fais-le.
T'as roulé. Condition de côté, ouais. Ok. Un petit sourire officiel. Nickel. Voilà, reste comme ça. Un petit sourire officiel. Nickel. Est-ce que tu speed des fois? Des fois, t'es vraiment genre. Genre tout juste. Je veux dire, elle est un peu sourire. Alors regarde bien l'objectif. Ouais, super, petit sourire. Un peu rapide. Alors maintenant, tu vois, si tu peux le faire comme ça avec les, tu vois, les bras en avant. Mm-hmm. Comme si tu avais les bâtons, tu vois. Vas-y. Voilà. Là, c'est génial. J'en fais une dernière. Vas-y, comme ça. Ouais. Parfait. Sourire, nickel. Regarde-moi l'objectif. C'est bon, c'est terminé. Voilà, j'ai fini tous mes shoots en province. Putain, ça fait 3 mois. Donc voilà la présentation, le Krebs en vite fait, où on va shooter Catherine Arnaud. Donc c'est l'équivalent de l'INSEP en un peu plus amateur. Ouais, j'ai entendu mon portable sonner, j'étais en train d'aller chercher mon matos, là je suis à Bordeaux en train de shooter. Ça va toi? Alors en fait, l'ordre a changé. Donc voilà, petite installation au Krebs. Et mon assistant, Guillaume. Super assistant de mode. Réunion. On se casse du Krebs. Là c'est chelou ce qui s'est passé là. Donc parting Krebs avec tous ces sportifs officiels là, plus ou moins à 2 francs 6 sous c'est pour certains. Encore un numéro 12 de Real de Madrid. Un branleur de première. Voilà. Avec une voilà, gouttière. Le Krebs. Et c'est la meuf de l'entrée. On voit tout ça. Voilà, direction Sénon, le prochain shoot. Donc prochain shoot c'est Grand Chéveron. Je crois que je le connais en plus. Ça pourrait être marrant. Alors hop là. Donc voilà, petit shoot de Monsieur Grand Chéveron. Donc ça se passe ici là. Là-dedans. Voilà. Donc présentation. Donc c'est pas le map pub, hein. Je prends ma caisse, tout. Voilà. Donc bah voilà, c'est terminé le petit shoot, donc on s'en va. Donc très bon shoot, monsieur Grand Chéveron, qui était assez sympa. Voilà. Donc bah voilà, maintenant on se casse en gros. Tu te rappelles Guillaume où on se casse? Mont Blanc. Mont Blanc? Ouais, Mont Blanc, direction Mont Blanc. Ouais. Comment tu le sens? Ah bah. Un déjà peu. Qu'on n'arrivait pas frais, on a eu du mal, alors ouais. Maintenant qu'on est carrément cassé. Regarde-moi deux secondes. Voir un truc. Ouais. J'ai un bouton sur le nez. Ouais, voilà, je fais un nouvel autoportrait dans tes lunettes. Je te remercie, c'est cool. De rien.
suis là pour ça. Donc bah voilà, ça y est, on va faire comme tout le monde, on va rouler. Ciao, ciao, ciao. Scène 1. Tiens, séquence pour Olivier, montre le prix qui monte sur l'écran. Attends. Prix à payer. C'est ça le truc intéressant. Déjà ? Elle déconne ou quoi? Je sais pas. Ça le fait depuis. Depuis avant-hier. Tu vois, depuis hier matin. Oh, je suis là, non? Ah, excusez-moi. Désolé. Attention, les cigarettes. Donc voilà. C'est un petit truc très important, un bon vieux plein avant de prendre la montagne. Ouais. Allez, faut que ça bouge. Faut que ça se remplisse. Fais gaffe, ça va giquer. Ouais. C'est pas l'heure de boulot là. C'est l'heure de chez Ken. Hein.
troupeau de quenins. Voilà. Donc on arrive dans un resto, t'as un groupe de quenins qui rentre. C'est un peu. Putain, un bande de queues. Bon bah petit buffet, ça va bien péter. On va s'approcher un peu. Ouais, c'est clair. On va se mettre dans le restaurant. Donc voilà, petit routier. Je suis pas. Vas-y, avance. Mets-toi entre les deux caisses, cache. Ça pète. Voilà, ici. Ouais, hein. Carrément. Tu vois, ça c'est une clito, voilà. T'as le musée aussi. Ça c'est une nouvelle génération. C'est la 2. Tu as fait un gros plan sur mes yeux. Attends. Apparemment, comme ils sont bien rouges. Quand je voulais me battre un petit peu, on m'a dit écoutez, vous les mettez au prud'homme, c'est un risque terrible. Alors, c'est ton métier. Soit tu vas aller au rouge, quand ils vont me glisser, sans savoir si tu peux me le faire. C'est donc ça c'est un potage. Pas pour 15 personnes, pas pour 20 personnes, ouais. Mais pour moi. Ça te suffit là. Bah écoute. Ouais. Ça c'est l'assiette. Ouais. Je suppose. Ouais, c'est mets ta main au-dessus pour monter un peu la taille. Ouais, toi, hein, c'est un gros truc, hein, ça rigole pas. Bon, alors. Ma bière, elle en est là. Premier signe de faiblesse. Il est encore là. La fatigue se fait ressentir, non? Je suis un oiseau. Je vole. Il n'y a plus de Renault Kangoo. Je ne bosse pas pour Renault. Tu bosses pour qui alors? Je sais pas, je bosse pas pour Renault. Je bosse pas pour Renault. Je suis pas en Kangoo. Je m'achèterai plus jamais une Kangoo. Sérieux, t'as plus envie d'acheter une Kangoo? Non. J'ai trop conduit les Kangoo, c'est fini. Les Kangoo. Kangoo Assistance. La Kangoo Assistance, putain. Photo assistance. Pour un quenin en danger. Pour quenin en danger. Ah, télécoupé. Bah, action, mec. Bon, on décolle. On décolle. Wesh. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir. On y va bien là-dessus. Ouais, ça super, va. Ouais. Ah ouais. Regardez. Oui, non, mais je suis pas bien. Dans la caméra, je suis pas bien du tout, ouais. Bon. Guillaume en changement de contact. Clermont-Ferrand. C'est une ville. 8 degrés.
passer. Ça va pas les renards et puis les chouettes, je vois pas trop ce qui peut passer d'autre. Quoi ça? Donc voilà, direction vers Lyon maintenant. Ben voilà, arrivé à Rouen, présentation, Rouen, on connaît, enfin, coin routier, point. Et c'est un peu, c'est même la dernière chance. Rouen et son resto. Rouen et ce genre. Voilà, un nouveau Formule 1 qui se trouve à Rouen. Et mon pieu. Voilà, mon pieu de tous les... Bon, c'est interview vérité. Est-ce que tu penses que t'as fait assez de bonnes pour aujourd'hui? Je crois, oui. Est-ce que t'en es sûr? Oui, mais de toute façon, je suis obligé de recommencer, puisque de toute façon, je recommence ce matin même. Jusqu'à Chambourigo, Pézouillet. Jusqu'à Chambéry. Pour ensuite aller à Chamonix. Voilà, exactement. Et tout ça, ça se passe dans... La kangourou. Et la bonne humeur. Voilà. Bon, bah voilà, c'est parti, direction la Haute-Savoie. Donc on a dormi 4 heures et là on est direction Saint-Étienne, on commence à émerger un petit peu, voilà. Oui, mais c'est pas national. Mais c'est pas national. C'est mauvais. C'est vrai que c'est un peu dommage.
De Lyon, il reste quoi, 50 ? Un peu moins. 40 et 50 bornes ? Ouais, 45, 46. Ouais, ça va. C'est un peu ambiance McDo, je trouve, ici. Ouais. Ça se trouve, ils sont distribués par le même boîte, tu sais, la conception des... Ah, la conception. Ouais. À partir des mêmes chaînes. Ouais, c'est possible. Le design. Ouverture. Ah, bien. Bien, bien, bien. Alors attends, je vais quand même montrer le premier pet sur la caisse que tu as fait. Hein ? T'inquiète pas, je la montrerai pas à Olivier, la cassette. Alors, on note bien un petit pet ici. Ah oui, il y a une trace, effectivement. On note bien hein, le pet. Alors, on va même le mettre en... Là, voilà, on voit le pet. Voilà. Joli quand même, hein. Et ça, c'est pas bon de mettre marche arrière sur l'autoroute, hein. Des explosifs là-dessous? Ouais. T'inquiète pas, c'est pas une voiture piège. Non, elle m'a l'air correcte. Comment? Elle m'a l'air bien. Ouais. Donc attention. Je vais nettoyer ça parce que ça a l'air bien violent. De gros Bon, je vais même aller en remettre. Bonjour monsieur. Bonjour madame.
Bon bah c'est reparti hein, action avec pare-brise nettoyé et tout, donc bah Yorigo, hein. Au revoir Total et bonjour la Haute-Savoie, si on y arrive un jour. C'est un peu notre quotidien quand même, les aires de repos, tout ça. Espace de commentaires.
Un moment total. Un moment total. Ouais. C'est reposant. C'est reposant, hein. On dit, on croirait entendre une chute d'eau. Ouais. Bon bah ça y est, les premiers moments, on va dire, en arrivant en Savoie. Donc je pense que tout le monde reconnaît ce coin. Hein. Donc le truc qui... voilà, donc le petit passage tunnel qui accède en Savoie. Sauf que là on prend un contresens. Et là, il est... c'est très connu pour ceux qui connaissent. Voilà, le premier. Au revoir.